Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique Utilisez Surfshark VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour. Bon, vous le savez, nous traversons une période assez difficile et ce genre de situation, tous les clubs au moins la connaissent une à deux fois par an, par saison. Alors, si nous sommes dans le dur, c'est vrai. Et en pareil cas, même si le résultat reste quand même la priorité pour s'en sortir, il y a aussi les comportements. Et les comportements, ma foi, n'ont pas fait véritablement débat à Monaco. C'est pas une équipe résignée qui s'est inclinée face euh, aux joueurs de la principauté. Ils se sont inclinés contre plus fort que eux, ça c'est un fait. Mais quand même, il y a quelques petits signes encourageants pour Michel Derzakarian, parce qu'il sent que son équipe ne lâche pas, et son équipe finira bien à un moment donné par sortir du trou. Et parmi euh, les quelques bonnes satisfactions, de ce déplacement, malgré tout, ça va vous paraître paradoxal, c'est la bonne euh, titularisation, la toute première en Ligue 1 de Luca Mincarelli sur le flanc euh, droit de la, de la défense, flanc gauche même de la défense euh, montpelliéraine. Voilà, c'était la petite euh, note positive de ce match que nous avons donc perdu. Nous voici euh, 13e donc avec euh, 13 points. Alors euh, c'est clair, euh, un point d'avance sur les barragistes, c'est bah, ça relève quand même, sinon de l'urgence du moins. D'une préoccupation importante et collective. Et puis, euh, nous ne sommes quand même qu'à deux points de Rennes, de Metz et du Havre à trois points. Donc, les écarts sont ce qu'ils sont. C'est très serré, mais, mais on n'est pas encore euh, la tête totalement dans le saut. Et d'ailleurs, il y a des raisons de penser que nous verrons le soleil bientôt. Alors, bientôt, ce sera peut-être contre le Racing Club de Lens, notre prochain adversaire ce vendredi à 21h au stade de la Mosson. D'ici là, un seul entraînement sera ouvert au public. Ce sera mardi à 10h, tout le reste à huis clos. On comprend bien que la situation amène Michel Derzakarian à recentrer tous les problèmes autour de son équipe et lui. Là, à huis clos. Bon, du côté des, des filles, alors là, il y a un rendez-vous samedi à 14h30 contre les Parisiennes du Paris FC. Attention, c'est une équipe qui est deuxième, alors que nous sommes, nous, euh, cinquième à un point de fleury, donc on n'est pas encore lâché, mais là aussi, les filles de Yannick Chandiou ont un match important à jouer, tout comme la Nationale 3 de Frédéric Garni et de Vittorino Hilton, actuellement euh, troisième au classement du groupe A, et qui se déplace dans la banlieue marseillaise à... Euh, Rousset. Voilà pour les rendez-vous. Ah si, un dernier. Il est important. Le 64e de finale de la Coupe Gambardella. Les U19 de Michel Rodriguez seront donc samedi opposés euh, à l'ASB au complexe de Gramont. L'ASB, c'est un souvenir de l'an dernier. Les Biterrois... Comment Ah, c'est dimanche Ah, oh, merde. Bon. Alors, attends. Elle était où, la coupure Ah oui ah oui. Mmh. Ah si, je m'en serais voulu de l'oublier. Ce week-end, c'est dimanche, les 64e de finale de la Coupe Gambardella pour les jeunes U19 de Michel Rodriguez, le MHC, qui va affronter au centre de Gramont, dimanche donc, prenez date, l'équipe de l'AS Béziers. Un beau derby en perspective. Allez, bonne semaine.